grosses infos, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça s'arrange. Un petit peu encore mal, mais bon, ça s'arrange. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite astuce très facile qui se fait avec un logiciel. Donc tout simplement, c'est d'exporter ou de dupliquer l'écran qu'on a en haut sur une tablette Android. Donc pour les gens qui ne comprennent pas dupliquer et exporter, c'est tout simplement avoir le même écran en haut sur la tablette. À quoi ça sert? Par exemple, je prends mon logiciel de montage vidéo qui est Adobe Premiere Pro. Donc j'ouvre ici mon logiciel. Donc je vais avoir ma fenêtre vidéo, donc c'est là où je vais voir ce que j'ai tourné. En dessous, ma piste son et vidéo. Donc là, voilà, j'ai tout sur ce PC. Et au lieu d'avoir tout regroupé, les effets, les gains, voilà, tout ce qui est petits paramètres dans la vidéo pour améliorer la qualité et le son, et bien, je retrouve tout sur la tablette. Donc j'ai déplacé toutes les petites fenêtres sur la tablette. Et comme ça, moi, je peux tout régler avec le doigt. Oui, parce que la tablette est tactile. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Moi, ça m'arrange parce que je vais plus vite sur le montage vidéo. Après, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, ici, en haut, j'ai la fenêtre Google Chrome. Donc, je regarde, je sais pas, un site, tout ça. Et en bas, j'ai ma fenêtre Skype. Donc, en même temps, je discute avec un ami. Et ici, j'ai Google Chrome. Donc, ça permet de faire deux choses à la fois. Et c'est vraiment plus simple que de fermer la page, de rappuyer pour le rouvrir. Voilà. On a tout en face de nos yeux et ça va encore plus vite. On va commencer sans plus attendre. Donc, dans la description de la vidéo, vous retrouverez deux liens. Un lien qui va vous permettre de télécharger le logiciel sur le PC et le deuxième sur la tablette. Donc je quitte mon Canon et on se retrouve sur le PC. Donc dans un premier temps, vous allez télécharger le logiciel qui est dans la description de la vidéo pour PC. Donc je peux pas le faire avec vous parce que j'ai pas créé l'archive, mais vous allez dans le premier lien où il y a marqué logiciel pour PC. Donc ensuite, il y a une fenêtre qui s'ouvre, faut télécharger et ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous glissez le petit logiciel sur le bureau. Donc une fois que vous l'avez mis sur votre bureau, le logiciel s'appelle TomOne. Vous l'ouvrez, donc faites un double clic. Là, on a que trois langues au choix. Donc on a du japonais, du coréen et de l'anglais. Donc moi, je vais prendre de l'anglais. Bon, une fois que j'ai sélectionné anglais, on attend un petit peu. Ça prépare l'installation. Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc on fait Next. Donc Next en anglais veut dire suivant. Ensuite, on installe. Si c'est la première fois que vous mettez ce logiciel, il risque de vous demander d'installer des pilotes. Vous le faites. Et comme ça, ça marchera. Si vous ne installez pas les pilotes, ça ne marchera pas. Voilà, moi, les pilotes, ils s'installent, ils sont ici, voilà, il y a marqué installation du périphérique, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, il n'y a rien de tout ça, le logiciel il est propre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de conneries, donc vous pouvez y aller. Retour sur mon logiciel TomOne PC, donc le programme d'installation est terminé, on fait finish. Voilà, on a téléchargé le logiciel sur le PC, maintenant on va l'installer sur la tablette. Donc là on est sur la tablette, vous êtes dans l'application YouTube, vous regardez la même vidéo et dans la description de la vidéo, vous prenez le lien logiciel tablette. Donc ensuite vous avez une page Mediafire qui s'ouvre, c'est pareil que le PC. Vous téléchargez et ensuite on attend. Une fois que l'installation est terminée, vous ouvrez le logiciel, vous l'installez. Une fois qu'il est installé, on peut le retrouver dans les applications, il s'appelle TomOne USB. Donc là, tout simplement, vous connectez votre tablette à votre PC via un câble. Donc vous prenez un câble de chargeur, donc un micro USB de préférence. Ça dépend de votre câble que vous avez. Vous branchez le câble à votre tablette et vous branchez le câble USB sur la tour. Une fois que tout ça s'est branché, on ouvre le logiciel sur la tablette, donc TomOne USB. Voilà, le logiciel est lancé. Maintenant, on va se retrouver sur le PC pour le lancer. Donc, c'est parti, je le lance. Donc là, je fais No. Et ensuite, je le relance. Et voilà, il est ouvert. Là, si vous avez ouvert l'application sur la tablette et sur l'ordinateur et que votre câble est relié de la tablette au PC, le logiciel va détecter la tablette automatiquement et la connexion va se faire automatiquement. Et ensuite, vous verrez l'écran de votre PC sur la tablette. Donc là, prenons un exemple. Je peux par exemple prendre le logiciel et le glisser sur la tablette. Voilà, il est ici. Donc il se peut que si par exemple vous montez la fenêtre en haut, il n'y a rien qui se passe. Si vous descendez, oui, la fenêtre arrive sur la tablette. Donc si vous avez votre tablette à droite de l'ordinateur, il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres. Donc ici, Windows, paramètres. Ensuite, on va dans Système et dans la catégorie Affichage. Ici, on peut voir que l'écran numéro 1, c'est l'écran de mon PC et l'écran numéro 2, c'est la tablette. Donc là, si on sélectionne le 2, on peut le placer un peu où on veut. On peut le placer sur le côté, voilà, en haut. Donc ensuite on peut le mettre en haut, sur le côté. Voilà, ça dépend en fait où vous disposez votre tablette sur votre bureau. Donc moi pour ma part je mets la tablette dessous. Voilà, et ensuite je fais appliquer. Et je ferme. Et donc là on peut voir que si je déplace le logiciel TomOne PC Programme et que je le glisse dessous, il arrive sur la tablette. Donc si vous voulez déconnecter les appareils, vous faites disconnect. Voilà, yes. Et voilà, les appareils sont déconnectés. J'espère que l'astuce que je vous ai montrée, elle marchera. Si vous avez des soucis d'installation ou de logiciel qui ne veut pas s'exécuter, mettez-moi un commentaire. Et moi, je vous répondrai gracieusement par la suite pour vous aider. Donc moi, les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez une autre vidéo sur l'informatique, sur le PC, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à aller voir mon Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site. Et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une future vidéo. Salut.